Mathieu Goebbels a certainement des atouts, a une équipe très complète. Bonjour, je m'appelle Laurent De Kayser. Je représente la cité immobilière Bellings qui a pour fonction de louer des entrepôts à différentes entreprises. On a eu une malencontreuse aventure, il y a eu un terrible incendie qui a détruit près d'entière du site, donc c'était en 2014. Il y a eu directement un projet plutôt au départ de rénovation du bâti qui était resté debout. Et après une longue étude de faisabilité, on a décidé de démolir pour reconstruire. Et ça nous a permis en même temps de faire un traitement et une dépollution complète du sol. Ben, la question ne s'est pas tellement posée. De notre côté, on avait fortement envie de continuer pour respecter le timing. Et on a eu la bonne surprise avec l'entreprise Mathieu Goebbels qu'ils ont la même volonté de continuer. Et donc les deux parties étaient d'accord et certaines mesures de sécurité ont été prises pour rester dans le cadre légal et de permettre une bonne continuité du chantier. Ben, précurseur, c'est quelqu'un qui innove. Donc quelqu'un qui innove, dans ce cas-ci, il y a eu un événement inattendu qui est survenu, le coronavirus. Et effectivement, c'est une des seules entreprises que je connais qui a continué, qui a bien voulu continuer. Donc dans ce sens-là, je peux dire oui, ils respectent bien leur slogan, le Vordenkers. Parce qu'ils ont pris des mesures préventives plus vite que les autres. Ils se sont adaptés au niveau technologie. Ils savaient facilement adapter leur travail via la télémétrie. L'envoi des plans, on savait travailler de concert. Sinon, les méthodes basiques comme travailler à l'extérieur fonctionnaient aussi très bien. Mais oui, je pense qu'à ce niveau-là, ils portent bien leur nom. Mathieu Goebbels a certainement des atouts, a une équipe très complète, tant au niveau ingénieur en stabilité que project manager, que de dessinateur, que conducteur de chantier. Donc ce que j'ai vu une belle facette à ce niveau-là de l'entreprise générale. C'est un projet en apparence simple ici, mais c'est un projet plus compliqué parce qu'on est entouré de bâtis existants, tout n'est pas de niveau. Donc si pour ce genre de projet, avec pas mal d'intégration, une complexité quand même que je trouve importante, alors oui, je pourrais refaire équipe avec Mathieu Goebbels et je pourrais même le recommander en fonction des projets. Une bonne ambiance dans l'équipe. Tant pour ceux au niveau, on va dire, maître d'ouvrage, architecte, l'entreprise générale, mais aussi entre les équipes mêmes, des sous-traitants. Je trouve que qu'il y avait une assez bonne communication. Et on sentait qu'il venait ici avec plutôt du plaisir et le sourire aux lèvres, quoi.